Et voilà, c'est pas facile. Allô? Allô, bonsoir, comment ça va? Ouais, ça va, ma Guinée. Tana, yo, moui, tango. Ah, moulière. Ah, ok. Non, bon, je voudrais juste intervenir par rapport à la situation qui se passe dans notre pays. Et on ne doit pas écouter les camps adverses. Parce que Doumbouya a sauvé le peuple de Guinée. Tout le monde le sait, ce qui s'est passé en Guinée. Tu dis la vérité ou tu ne dis pas la vérité, c'est ça. Mais il a sauvé le peuple de Guinée. Maintenant, celui qui veut l'accompagner, et puis il a appelé tout le monde. Il dit, venez, on va réconcilier ensemble. Il a appelé les imams, il a appelé les Kountigui et autres. On a vu les trois Kountigui, sauf le Kountigui comme de la Haute Guinée. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Et ils disent forcément, comme il est des cancans, maintenant on peut quand même mettre la pression sur lui. Soit de libérer Alpha Condé ou bien de rendre le pouvoir d'Alpha Condé. C'est des idées. Bon, je n'arrive pas à comprendre. Même aujourd'hui, Doumbouya a dit, lui seul, il décide, il dit, bon, je donne aussi le pouvoir à Alpha Condé. Le peuple de Guinée ne va pas accepter. C'est ce qu'il oublie. Lui-même, il décide, il dit non, Alpha Rémi encore dans les affaires. Le peuple de Guinée va dire non. C'est pratiquement impossible. Maintenant, celui qui veut l'accompagner, il vient, les doigts et autres, tu viens, c'est-à-dire, de la courtoisie, vous continuez ensemble. C'est-à-dire, il s'attaque pas à quelqu'un, il n'enferme pas à quelqu'un. Il dit, la justice sera la boussole, et c'est la justice qui va interpeller tout le monde, pas moi. Mais c'est la limite des choses. Lui, ce qu'il connaît et ce qu'il sait faire, déjà, il a dit ça au peuple de Guinée. Nous autres, moi je ne parle pas quand même RPG ou IFDZ, non. S'il veut, ils n'ont qu'à changer tous les noms, Diallo, Ba, Baldé, des trucs comme ça. Ça, c'est des dîners. C'est une autre facette, là. Mais ce qui est normal, et ce qu'on doit faire, nous, ce qu'il veut réconcilier, là, réconcilier ensemble, nous allons partir quand même à une seule idée, une seule conversation. Le groupe, c'est ça. Moi, c'est ce que je peux dire, là. On les oublie complètement. Ils étaient à Paris hier. Même moi, c'est-à-dire que je voulais partir, c'est-à-dire prendre quand même les vidéos et faire remonter dans les réseaux sociaux. Mais finalement, j'ai quand même dit, c'est-à-dire c'est un temps bidon quoi, pour moi. Oui, c'est vrai. Après, ils sont partis, ils sont faits, ils ont mis quand même les choses sur les réseaux sociaux. Au final, il n'y avait même pas 200 personnes là-bas. C'était une honte. C'était une honte. Eux-mêmes, les vidéos, ça se passe. Le siège qui est là, qui a l'habitude quand même de remplir de 200, 300 personnes, c'est-à-dire, il convoque tout le monde de venir quand même soutenir Alpha Condé, sa libération. Vous avez vu le siège, il y avait pas mal de personnes là-bas? Il n'y a même pas 500 personnes. Même pas 100 personnes. C'est-à-dire, c'est compréhensible, quoi. Le peuple n'est pas derrière eux. Le peuple était là, c'était juste pour récupérer l'argent dans les mains de certaines personnalités. Les Kassori, les Baïdi, les Mualim, les Marissa et autres. Mais quand aujourd'hui, Marissa lui-même, il se lève, il dit, ah, j'ai appelé les mêmes personnes là. S'il n'a pas l'argent, ils ne viennent pas. Tu connais les Guinéens? Quand tu as l'argent, ils viennent. Vous mangez ensemble. Mais si tu n'as rien, ils ne viennent pas. C'est ça le problème. Les Guinéens, c'est-à-dire, quand tu voles avec lui. Lui, quand même, il n'est pas, il ne vient pas quand même prendre là. Il ne vient pas quand même voler comme toi. Mais quand tu voles, lui aussi, c'est la lame. C'est le vol intellectuel. Tu voles, lui aussi, il te vole. C'est comme ça. Et certains disent, Doumbouya a trahi Alpha Condé. Alpha lui-même, il a trahi son serment. Ce qu'il a dit, son propre, comme tu as dit, son propre terme. Il a trahi ça, il a trahi le monde entier, il a trahi le peuple de Guinée. Et aujourd'hui, les gens disent, bon, Doumbouya a trahi Alpha Condé. La trahison d'une trahison, qui a trahi qui? L'autre a trahi une seule personne. Mais Alpha a trahi le monde entier. Combien de personnes? Il avait Dangoum. C'est ça? Ah, Doumbouya a trahi Alpha Condé. Depuis qu'Alpha Condé a quitté sur la Non, mobylette là, Doumbouya, quand il était opposant. Non, ça c'est 1 sur 1000. Ça c'est 1 sur 1000. Doumbouya, lui seul, il a trahi une seule personne. Mais Alpha Condé a trahi combien de personnes? Il a trahi même ses partenaires, ses collaborateurs. Est-ce qu'il connaît tout ce qu'il en 10 ans? Mais il n'a rien dit. Mais il est venu, Alpha Condé a ramené Gia Soto. Il est venu, Alpha Condé a ramené Gia Soto. Il est venu, Alpha Condé a ramené Gia Soto. Mais il est venu, les à côté, non. Mais il est venu, Alpha Condé a ramené Gia Soto. En Haute-Guinée en voiture. Il a fait le trajet de la Haute-Guinée. Conakry, Haute-Guinée en voiture, il l'a fait. Il l'a fait. Pour savoir ce que ces gens-là vivent.
Ok, je vais rappeler les numéros français là, Inch'Allah, tout de suite, hein. Excusez-moi. Ceux qui disent que Doumbouya a trahi Alpha Condé, je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous pensez que la politique c'est une question de famille ou c'est quoi? Ceux qui disent cela, Alpha Condé a pris la voiture, ferme le trajet, Conakry, Cancan, Conakry, Sigiri, en combien de fois? En 10 ans. En combien de fois? Si Iblis a bouffé vos cerveaux, il faut rester avec lui là-bas. Nous, on a nos cerveaux en place. Doumbouya, nous, on va le soutenir. Voilà. Parce qu'il mérite un soutien. Allah préfère un repenti que celui qui n'a jamais péché. Tout le monde fait du mal. On va le soutenir jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il déconne. Quand il va déconner, nous sommes dans nos droits encore de faire ce qu'on a à faire. C'est un être humain. De le rappeler à l'ordre. Je vais vous rappeler ma petite histoire pour ceux qui ont oublié. Moi, j'ai soutenu la Constitution pour un truc bien déterminé. Je l'ai dit plusieurs fois. Si cette Constitution est passée, parce que Alpha, lui, il pense que la politique, c'est dribbler les gens, c'est comme si tu avais fait un contrat avec quelqu'un. Comme avec Mbouya, exactement. Tu es là pour une transition. C'est un an, c'est deux ans, c'est trois ans. On ne sait pas de beau. Quand ça s'est arrivé, c'est fini. Maintenant, il dit qu'il va s'éterniser. Ça sera mon droit et mon devoir de le combattre comme je peux. Et c'est ce que je vais faire, Inch'Allah. Donc, Alpha Condé, moi j'ai défendu cette constitution parce que les gens pensent que les vidéos, c'est les vues. Vous vous trompez. Les vues, c'est pour faire passer l'information. Mais tu peux faire des vidéos ici 20 ans, 1000 ans, 100 ans. Si tu ne te bats pas spirituellement, que ce soit avec Shaitan ou du côté d'Allah, tu n'iras nulle part. Tu vas ramasser les vues. Mais y a, ça fait combien d'années que les gens parlent ici? Je ne dis pas que ça ne donne pas de. Mais ce qu'ils veulent là, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils oublient. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la blague. Quand moi, je me bats ici pour un truc, ça ne se passe pas comme je veux. Je me retourne contre la personne. Comme je peux, Inch'Allah. La Constitution, je vous l'ai dit, je l'ai défendue pour un truc bien déterminé. Bien déterminé. Ça ne s'est pas passé comme je veux. Je me retourne contre la personne. Je le combats comme je peux. J'ai utilisé des méthodes pour la Constitution. Apparemment, ça marche. J'ai utilisé la même méthode pour le combattre. Parce que c'est comme un contrat. C'est ce que vous oubliez. C'est pourquoi les vidéos-là, il ne faut pas prendre d'argent. Quand tu prends de l'argent, c'est fini. La personne t'a payé, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est autre chose. Mais les gens ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre, Inch'Allah. Mais si certaines personnes pensent que c'est les vues, ou bien parler tous les jours, matin, midi, soir, ça me fait rire. Vous avez fait gagner Alpha Condé, selon vous. Quand on a venu là, voilà, c'est le troisième mandat, mais c'est une constitution. Ah ouais, il faut le faire revenir encore. Vous ramenez la constitution. Vous ramenez cette assemblée nationale, vous ramenez tout ce qui s'est passé, vous effacez les esprits et les cerveaux des gens, que Alpha Condé est passé à l'axe. C'est ce qui vous fait mal. Quand il tue à l'axe, vous ne faisait pas mal. Regardez-moi les ethnicides. Ils n'ont même pas honte. Vous, la honte est votre ADN. Ceux qui pensent cela, votre ADN, c'est la honte. Votre état d'esprit, c'est la honte. Votre mode de vie, votre style de vie, c'est la honte.
Awa, allez-y attraper Doumbouya. Même si vous l'attrapez, vous le transformez en boulette. Astaghfirullah. Vous le transformez en boulette. Jusqu'à votre mort. Malheureusement, c'est en 2021. C'est sur TikTok. C'est dans mon téléphone. Et c'est dans tous mes téléphones. Et il y a des gens qui ont enregistré. Dès que vous dites, on montre. On montre. Donc voilà, c'est comme ça. C'est ce qu'il mérite. Vous-même, vous devez réfléchir. Qu'est-ce qui a fait qu'on a fait passer Alpha Condé sur l'axe? Qui peut faire ça si ce n'est pas Allah? Mais vous ne croyez pas en Dieu. Toute personne qui me regarde, tu aimes Alpha au fond de toi. Billahi wallahi, tu es avec Iblis. Mets-toi ça dans la tête. Quiconque aime Alpha au fond de son cœur, tu es avec Iblis. Ce n'est pas un débat. Mais je vous ai dit que ce qui vient de se passer là, c'est l'introduction de la honte, l'ouverture de la honte. C'est une ouverture. Vous avez vu le monsieur hier qui a dit à Abba Alpha Condé, c'est son âme qui a parlé. Son âme souffre. Son âme souffre. C'est l'âme qui parle. Sinon, quelle que soit ton émotion, tu ne peux pas dire ça. Mais les gens là ne comprennent rien, ils ne veulent rien comprendre. Vous savez, quand Dieu veut te faire honte, sinon moi j'ai défendu la constitution. Je devais suivre Alpha. Je devais le suivre. Mais je ne l'ai pas fait parce que Allah ne veut pas ma honte. Il ne veut pas que j'ai honte. J'ai levé le pied dedans et je l'ai prié pendant un an à peu près. J'ai dit, moi je n'ai pas voté cette constitution. Je ne l'ai pas défendue pour ça. Beaucoup de personnes m'ont contacté. Non, on a voté cette constitution-là parce que tu en avais parlé, on te faisait confiance. Voilà maintenant. Je me sentais responsable de ces quelques personnes, de ces quelques âmes. Parce que une seule personne que tu mets en erreur, vous savez ce que c'est? C'est pas une bonne œuvre. Aujourd'hui, si je soutiens Doumbouya, je vous le dis carrément, la transition ne la respecte pas. Vous allez voir un autre visage. Et je vous ai toujours dit, Inch'Allah, je vais grandir. Mais je lui accorde le bénéfice du doute. Parce que s'il tombe aujourd'hui, ce n'est pas l'UFDG qui va tomber, ce n'est pas Paul qui va tomber, ce n'est pas lui qui va tomber, ce n'est pas Pierre qui va tomber, c'est la Guinée qui va tomber, c'est la Guinée qui va s'écrouler. Je vais sacrifier la Guinée, je vais prendre le risque de sacrifier la Guinée à cause d'un miséreux, misérable, maudit, vagabond vaurien comme Alpha Condé. Non, Alpha Condé n'est rien. Il n'est rien, il n'est rien et il n'est rien. Je vous l'ai dit que c'est un voyou ce monsieur-là. Les gens qui suivent Alpha Condé, qui ont suivi Alpha Condé, dans quelques années, ils veulent faire l'orgueil, mais leur regret va sortir sur leurs yeux, leur visage va montrer le regret. Donc l'UFDG, principalement, serrez vos ceintures. Les prochaines élections vont encore être plus difficiles. Parce que ceux-là vont se rajouter. Et ils ont mis beaucoup de structures en place. Ils sont déjà dessus. Comme ce que cette personne vient de dire, ça ne change rien. Ça ne changera rien. Tout ça, c'est quoi le problème de cette histoire de l'UFDG? Moi, je vous l'ai souvent dit, c'est cette histoire de religion-là. Tu ne peux pas combattre un satanique dans les urnes, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu vas gagner 1000 fois, 100 fois. Ils ont une connaissance qu'ils vont bloquer tes résultats. Et tous les dons que Allah subhanahu wa ta'ala a créés, il y a le côté positif et négatif. Quand la personne utilise le côté négatif, tu utilises le côté positif qui est l'islam, qui est l'invocation, qui est la sincérité. Et sur du long terme, le Guinéen prie à l'approche des élections. Quelqu'un gagne, on le triche, ils arrêtent de prier. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Mais ta prière n'a pas pris. Ta prière n'a pas pris. Parce qu'il y a des gens qui sont là à modifier le destin de tout un pays. Tous les bœufs qu'on fait au Carrefour. Quelquefois, le RPG fait 10 bœufs. L'UFDG fait 15. C'est les chayatines. Mais pourquoi ne pas sensibiliser vos militants à l'interne pour les gens, pour les invocations? Pourquoi ne pas faire cela? Pourtant, c'est très simple. C'est très, 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 très simple. Il y a des gens qui ne doivent même pas parler sur les réseaux sociaux de l'UFDG.
Les vues là, vous allez parler ici, c'est moi qui vous le dis. Vous allez parler ici, avoir des milliards de vues. Vous allez parler ici. Donc l'UFDG doit faire le tri. Depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 4 ans, les gens qui communiquent, qui ont beaucoup de vues, qu'est-ce que leurs vues vous ont donné? Ou bien retoucher leur façon de communiquer. Parce que c'est tout un ensemble de choses. C'est tous des facteurs. Madame, la façon de, que l'RPGiste communique, tu communiques de la même façon. C'est-à-dire, il a la musique sur sa vidéo, tu as la musique sur ta vidéo. Il a la tenue militaire sur ta vidéo, tu as la tenue militaire sur ta vidéo. Il a la casquette renversée sur sa vidéo, tu as ta casquette renversée. Ça, c'est des connaissances. Tous les habits qu'on porte, c'est des connaissances. Il y a un savoir derrière. L'UFDG devrait connaître ça. L'UFDG devrait comprendre ça. Moi, c'est le côté-là qui me déçoit. Ce côté-là, je ne comprends pas que un maudit d'Iblis, un satanique, tue les musulmans pendant 10 ans. Que personne ne lève le petit doigt. Parce qu'il utilise une connaissance qui est contraire à l'islam. Toi, tu dois utiliser l'islam pour le combattre, même dans ta maison. Donc l'UFDG a du boulot. Moi, le monsieur là m'a appelé, il m'a expliqué la situation. Parce que lui, il est de l'UFDG. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas de l'UFDG. Tous les jours, qui me disent des choses. Oh, ils ne comprennent rien, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai dit, mais moi, je fais de mon mieux, moi, je ne suis pas de l'UFDG. Je vais vous expliquer un truc. Quand vous allez sur les pages, les gens ont parlé fatigués. Tu vois une page, il y a 5000 commentaires. 2000 commentaires, c'est les militants de l'UFDG. Ça, c'est clair. Ça, c'est la chose la plus idiote qu'une personne puisse faire. C'est-à-dire, c'est quoi la signification de ces commentaires? Déjà, tu as écouté ce que la personne dit. Tu n'es pas contente de ce que cette personne a dit. Tu l'as répondu dans tes commentaires. Qu'est-ce qui te garantit que cette personne a lu tes commentaires? Rien. Donc, tu as parlé dans le vide. Cette personne s'en fiche de toi. Cette personne est là pour servir Shaitan. Shaitan, c'est le nombre. C'est le chiffre. C'est beaucoup de monde. Mais des gens vides de sens. Toi, tu vas te mettre parmi ces gens-là. Un. De deux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est comme si le RPG Arc-en-Ciel avait une manifestation. Toi, tu vas à la manifestation. Tu es dans la foule. À la base, les RPGistes qui sont là, ils sont 2000. Les UFDGistes sont 1000. Ils viennent se mettre dans le lot de RPG. Donc, ça devient 3000 personnes. RPG, 2000. UFDGistes, 1000 personnes qui sont là par curiosité pour savoir ce qui se passe dans cette réunion. Mais vous pensez qu'ils vont venir trier ici? Trier que lui, il est de l'UFDG, lui, il est de RPG. Non. Ceux qui doivent compter, ceux qui doivent avoir les statistiques et les chiffres, vont se dire qu'à cette manifestation ou à cette réunion, il y avait 3000 personnes. Mes frères et sœurs, la chose qui fait que moi, il y a des vidéos ici, je vais aller cliquer dessus. Moi, j'ai posé cette question à plusieurs personnes. Pourquoi je ne regarde pas les gens là? Les gens qui maîtrisent l'islam disent que oui, parce que Allah te protège. Parce qu'ils vont te tirer vers le négatif. Maintenant, les militants de l'UFDG, qu'est-ce qui vous tire vers ce négatif-là? C'est ça que je veux savoir. Ça m'intrigue. Parce que les gens m'en parlent tout le temps. Vous répondez leurs commentaires. Vous écrivez sur leurs vidéos. Ça fait qu'ils arrêtent de vous insulter. Ça fait qu'ils arrêtent d'insulter la Gisèle. Ça fait qu'ils arrêtent leur comportement. Déjà, tu vois quelquefois des styles, même en passant, tu vois quelqu'un. Les tenues militaires, là. Les gens qui portent les tenues. Regardez ça, tu n'es pas militaire. Tu portes une tenue militaire, pourquoi? Tu n'es pas militaire. C'est-à-dire, c'est une logique. C'est juste une logique. C'est qu'il y a de la triche dans ce que tu fais. Moi, je m'en fous. Ça, c'est un savoir, c'est une autre connaissance, ça. Les gens de l'UFDG doivent comprendre cela. Ils doivent faire passer ces messages-là dans les groupes. Sensibiliser les gens. Tu as affaire à des sataniques, tu écoutes ce qu'ils disent. Pourquoi? C'est comme un imam qui va dans un club de striptease.
tu vas aller faire là-bas? Un imam dans un... C'est comme si Omar Sall, bon, on sait qu'il n'est pas très clean, mais qu'est-ce qu'il va aller faire, je ne sais pas, quel bar je vais citer en Guinée, qu'est-ce qu'il va aller faire là? Mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a le négatif au summum qui l'attire. Donc, il y a un problème. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème spirituel. Tu finis de regarder les conneries ou quelqu'un qui met des musiques dans sa vidéo. Je vous l'ai dit, ça n'a aucun sens. Ce sont des gens qui sont en train de faire une autre publicité inconsciemment. Tu vas regarder ça pourquoi? Le musicien là, tu ne sais pas là où l'écouter. Donc, ce sont des choses, moi je vais vous le dire, dans quelques années vous allez le comprendre, ça sera peut-être trop tard. Ce que je ne fais pas, je ne vais pas vous le dire de le faire. Je suis passé par cette route-là. C'est la route-là que je vais vous dire. C'est bomba. C'est pas bomba. Moi, mon cas, il est trop tôt pour me juger. Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être, Inch'Allah, vous allez peut-être voir autre chose. Vous dites, ah, la dame là, oui, elle est ici. Ou alors, le jour que je vais commencer avec les Français, vous allez me voir sur TFM ou CNN. Qu'est-ce que vous allez dire? Ah, vous avez vu la dame? Comme elle ne gagnait pas l'argent avec les Guinéens, elle est avec les Français maintenant. C'est ce que vous allez dire. Non. Moi, je vous ai dit, je peux défendre le Français demain, défendre le Chinois après-demain ou le Japonais. Parce que dans ma tête, en tant que musulmane, tous les êtres humains sont égaux. Tous les êtres humains sont égaux. Moi, j'ai dépassé ce cap-là. Quand je vois maintenant quelqu'un qui est campé sur une histoire d'ethnie, vous pensez que je peux parler à ce genre de personne? Vous pensez que je peux écouter ce genre de personne? Pour moi, dans ma tête, c'est un attardé, c'est un impoli, c'est un mal élevé. Je ne peux pas l'écouter. Je ne peux pas le regarder. Cette histoire de Mamadi Doumbouya, c'est très bien fait. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que moi, c'est contre le malinqué que je suis contre. Plein de personnes m'ont appelé après. J'ai dit, mais Allah est en train de faire son travail pour vous montrer les vrais visages des gens. Les gens qui parlent d'Alpha Condé, Alpha Condé, RPG, RPG, vous savez qu'il y en a plusieurs pour qui ils se battaient. C'est sorti, ça va sortir. Et dans 2-3 ans, vous allez voir beaucoup de choses. Aujourd'hui, leur siège, il n'y a personne. Pourquoi? Parce qu'Alpha Condé, ce n'est pas un politicien, c'est un politicien. Ce n'est pas un politicien. Un politicien qui s'est battu 40 ans doit penser à la relève. Mais il n'y a pas de relève. Parce qu'il n'a pas vu cela. Quand je vous ai dit qu'ils ont une mauvaise communication, leur communication a fait tomber leur mentor, je vous l'ai dit dans toutes mes vidéos, la communication du monsieur d'hier qui a dit à Ba Alpha Condé, qu'est-ce qui leur a pris de donner le micro à ce monsieur-là? Ce qu'il a dit, moi, je n'ai rien compris. Tout ce qu'il disait, je n'ai rien compris. J'ai compris ethnocentrisme et quoi là, que Doumbouya était un rebelle. Il n'y a plus rebelle qu'Alpha Condé. Il n'y a plus rebelle que ce vaurien, que ce minable-là. Mais les gens qui sont derrière Alpha Condé vont regretter cela. Qui ont été derrière lui. Mes frères et sœurs, on parlera de ça dans quelques années, Inch'Allah. Ils vont le regretter. Parce que Alpha Tannafa Mugoyoson Doumema, mon affaire se souvient, Alpha Condé, Alpha Nere Brison Doumema, on nous sentane na oubola. Wa la makula. Wa ma die. Ahouba sentane ira. Ou ka djerima sou pendant des années. Alko sentane haoura boulou. Moi j'ai défendu Alpha Condé. Je sais ce qui te tire par là-bas. Regardez mes vidéos quand je parlais d'Alpha. Et aujourd'hui, est-ce que c'est la même personne? Ce n'est pas la même personne. Mais les gens ne comprennent pas cela. Tous les appels que moi j'ai reçus pendant ces années-là, pendant les, à peu près une année-là, je leur disais que non, vous êtes mal guidés. Là où vous êtes aujourd'hui là, moi j'étais là-bas il y a quelques années. C'est moi qui dois vous tirer vers moi. Vous ne pouvez pas me tirer là où vous êtes. Alpha Condé, c'est Semara. C'est Semuna Alphara. Je leur disais, j'ai dit, le monsieur là n'est rien. Il n'est rien. Les Guinéens vont regretter cela. Et Allah. Maintenant, si Mamadi Doumbouya, quelqu'un, Mamadi Doumbouya n'est rien, c'est un légionnaire, il était à Lille ici. Mais vous voulez qu'il soit où? Mais bien sûr qu'il était à Lille. Comme Alpha Condé aussi était à Paris. Comme toi-même qui parles là, tu es en France. Alpha Condé, Mamadi Doumbouya est au service de la France. Mais vous croyez quoi? Toi-même qui dis ça, tu es en France. Il y a un problème mental. Tu le Guinéen, Pillaï Wallaï. Il y a un problème mental. Tu critiques la France, mais tu es en France. Qu'est-ce que tu fais là? Quelqu'un t'a appelé. Tu es sûr qu'on t'a appelé ici? Tu es sûr de ça? Non, je ne crois pas. Si ces gens-là ne sont pas venus par la mer, mais ils ont cherché le visa comme ça. Il faut être cohérent dans son combat. Alpha Condé aussi a été placé par la France. Il n'a pas servi la France.
servi la Guinée. Il ne s'est pas servi lui-même. Lui-même, c'est-à-dire, je vous ai dit une fois, ce monsieur-là est un danger pour lui-même. C'est un danger pour lui-même. Danger dans l'alpha. Maintenant, j'ai suivi une partie de la vidéo de Agi. En cas de décès de ce voyou-là, c'est un être humain. Nous restons des croyants, que ce soit catholique ou musulman, peu importe. Nous sommes créés pour ça. On ne doit pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Comme ce que le premier frère Essène Ibrou a dit, vraiment, ce qui est arrivé à ce monsieur, tous les intervenants en général, c'est une justice divine. Moi, là où moi je suis là, si ce n'est pas une question de sécurité, on lâche Alpha comme ça, on le lâche en Guinée. Il finit de l'être. Tabac Ataya là, parce qu'il a commencé par ça en France. Ataya est fini là-bas, assis. Pour que les Guinéens qui sont derrière lui connaissent que ce gars-là, c'est un moins que rien, c'est un vaurien. Voilà. Je dis et je répète. Les gens qui aiment Alpha Condé, au fond de vous, au fond de vous, au fond, fond de vous, pas à cause de l'argent ou autre chose, vous êtes avec Iblis. Mais vous allez le regretter, Inch'Allah. Je ne suis pas Dieu, je ne suis rien. Vous êtes très mal guidé. Très, très, très mal guidé. La connexion se fait, c'est par intérêt spirituel. Même si tu gagnes l'argent dedans ou pas, ce qui t'attire vers quelqu'un de négatif, ce qui t'attire vers une personne qui n'a rien apporté, comment tu peux faire 10 ans, 11 ans, t'es fief, tu n'as pas fait ça en voiture pour voir. D'ailleurs, je conseille au colonel, s'il peut, de prendre une semaine, s'il peut, il prend la route, il fait le trajet, c'est-à-dire il n'informe pas. Aujourd'hui, il arrive à Télémélé, il s'arrête à Télémélé, il passe une heure avec la population pour voir cette route, les comment. Il continue. Il s'arrête à Mangana, où il s'arrête, voilà, ainsi de suite. Il continue, il s'arrête à Massanta, proche de la population, voir la route, comment elle est, comment ce peuple vit. En une semaine, en voiture, même si le retour, il le fait en hélico, ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Ça, c'est pour se rapprocher de son peuple. Ça, c'est pour montrer que je veux voir comment vous vivez. Parce que Conakry Forcaré, il a bûché la route, là, il connaît ça. Mais il faut qu'il... Quand Conakry aussi, il connaît ça. Il faut qu'il aille s'arrêter dans certains petits villages comme ça. Par hasard. C'est très important. Les présidents guinéens, les chefs d'État guinéens, les hommes politiques guinéens, si ce n'est pas les campagnes, ils ne font pas ça. C'est quand les campagnes arrivent qu'ils font cela, qu'ils se baladent pour aller amadouer les gens. Et puis c'est fini, et puis c'est réglé. Mais Alpha Condé, c'est un voyou, c'est un délinquant. C'est un délinquant. Alors, si je suis senti à mon galanie fibrima, Wonga Alpha Condé, ré Alpha Condé soutenir, ré moi la madien. Nous allons voir. Inch'Allah. Il y a quelqu'un qui a appelé. Je vais essayer de l'appeler. S'il prend pas, c'est pas grave. Vous pensez que les vidéos, que c'est un jeu, un voyou comme ça là. Un vanupier vaurien comme Alpha. Ah, bah Alpha connaît. Non, voilà, là. Oui, salam alaikum. Alaikum salam rahmatullahi barakatuh. Excusez-moi, vous avez appelé plusieurs fois. Ah ouais, oui, madame Marie, c'est monsieur Barry. Mais comme il est l'heure de la prière, après l'heure de la prière, je vais vous rappeler. Après l'heure, moi aussi, je ne serai pas là. Moi, je commence à 20h, je crois, dans 20 minutes. Attendez, je regarde mon heure ici. Moi, pour le travail? Non. Moi, la prière, si c'est 20h quelque chose. Donc, on se dit une autre fois alors. Inch'Allah. Ah ouais, je vois, comme nous sommes à Orléans, là, il est 19h49. Moi, je suis en Bretagne. Moi, c'est 20h quelque chose. Okay. Merci beaucoup. Au revoir. Nous sommes les derniers, quoi. C'est pourquoi le ramadan, quelquefois, jusqu'à 22h, 22h30, nous, on n'a pas mangé. Voilà. Ok.
Ok, je comprends. Je vous ferai signe après, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je n'ai pas lu totalement votre message, c'est trop long, mais j'ai eu une petite idée. Voilà. Donc, voilà, je vous dis merci à tout le monde pour les partages et pour les commentaires. Et puis, à bientôt, Inch'Allah. Essayez de partager la vidéo, essayez de partager les vidéos. Nous allons progressivement, mettez les têtes de mort, il y a les adeptes du vaurien là qui sont là. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ils ne se sont pas encore fatigués, Iblis est dans leur corps. Vous savez, Iblis, il a longue vie. Pour combattre Iblis, ce n'est pas la blague. Donc, si vous pensez que c'est dans les urnes que vous allez combattre Iblis, bon courage à vous. Vous n'avez rien compris pour les votes là, comment ça se passe. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous allez ramasser les vues ici. Avoir le prix Nobel des vues. Et rien ne se passera. Voilà. C'est pas bon. La vidéo, c'est pas ça, hein. On va prendre une personne. Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez bien, Hadja? Merci, merci, ça va. Alhamdoulilah, je vais bien. Ouais. Ok, pour ne pas vous prendre, parce que peut-être il est l'heure de prier Salatul Maghrib chez vous. Oui, Maghrib. J'avais demandé une fois concernant les gens de Soronconi. Est-ce que vous avez eu des nouvelles concernant les prisonniers qui sont là? On dirait qu'ils ont libéré certains, il paraît, on dirait. On dirait. Ah, ok. Moi, je voulais juste faire... qu'on fait attention à ça, parce que les gens qui manifestent aujourd'hui, libérer Alpha, hier samedi, pardon, est-ce qu'ils ont pensé la même chose pour les familles, qu'on a enfermé leurs fils, enfermé leurs maris, enfermé leurs frères? Ils n'ont pas bougé pour essayer de ces gens-là qu'on les met dehors. Aujourd'hui, ils se manifestent pour dire libérer Alpha, libérer Alpha. Alors que ces gens-là en prison, leur famille les attend. Leur famille inquiète pour eux aussi. Et comment il est malade, comment il dort, comment il est nourri, vous voyez? Donc les gens-là qui courent derrière Alpha Condé, comme je vis toutes les explications, je ne vais pas aller tarder derrière tout ce que vous avez expliqué, voilà, ça m'est assez. Les gens-là, ils doivent réfléchir humainement, humainement. Ce monsieur-là, en Europe ici, 83 ans, c'est un pensionné depuis plus de 15 ans ou 20 ans. Vous voyez? À 63 ans, beaucoup sont pensionnés. Lui, il a 83 ans. Et aujourd'hui, les gens courent derrière lui pour qu'il reste au pouvoir. Pourquoi? C'est parce qu'il gagne des petits pains. Franchement, ce n'est pas à l'intérêt de la population guinéenne. Comme vous venez d'expliquer tantôt, quand un chef d'État vient, il ne regarde pas l'argent, il travaille pour la population, c'est lui un chef de l'État. On voulait voir, par exemple, au Ghana ou bien au Nigeria. Tu vas voir, Ibrahim Ababajida, il est là. Voir, il était là aussi, avant de revenir encore. Il y a aussi, Général Abdusalam Aboubakar. Quand on regarde le Ghana aussi, il y avait Jerry Rowling, il y avait Koufou, il y avait les autres aussi. On voulait voir ça en Guinée. Pas un président que tout le monde est content parce qu'il est mort. Il doit laisser quelque chose pour lui-même, pour que les gens continuent à prier pour lui. De toutes les façons, on priera pour lui. Si quelque chose lui arrive, on priera pour lui en tant que musulman. Ça, c'est la logique, c'est la normale. Qu'Allah le pardonne, c'est ce que nous, on peut faire. Et puis moi, je pense que tout ce qui se passe là, c'est une forme de justice divine, ce n'est pas mauvais. Maintenant, si les gens insistent sur leur connerie et Iblis refuse, ils refusent de combattre Iblis dans leur corps, ben ils verront ce qu'ils verront, c'est une question de patience. Nous allons continuer les invocations, les jeûnes et tout, et faire passer ce genre de message dans tous les groupes et partout, parce que sinon, dans les urnes, je vous le dis, nous sommes là, je ne souhaite de malheur à personne. Ces gens-là utilisent une certaine connaissance. Et mon frère, c'est autre chose. Votre combat est noble. Vous êtes là pour sensibiliser les gens de suivre le bon chemin. La corruption ne sert à rien. Le tribalisme ne sert à rien. Pour dire celui-là, il mérite le pouvoir, celui-là, il ne mérite pas le pouvoir, ça sert à rien. Je vois votre combat. C'est pour ça, moi personnellement, je ne sais pas combien de personnes...
j'ai poussé pour aller vous suivre sur le net. Mmh. Et je fais des abonnements sur votre chaîne ou bien ajouter votre numéro. Même si elles vont pas appeler, mais ils vont vous suivre. Et il y en a beaucoup qui continuent à écouter ça en Belgique, beaucoup, oui, précisément là où je suis à Liège. Okay. Je suis content de le faire parce que votre combat est noble. Vous voyez? Okay. Mais quand, qu'est-ce que je voulais dire? Ces gens-là, l'argent qu'ils prennent de construire 18 maisons, 30 maisons, on va saisir tout. Mm-hmm. Et ça sert à quoi après? Mm-hmm. On va saisir tout, parce d'accord, que quand on d'accord. va essayer de, okay, mon de récupérer... Frère, parce que comme vous l'avez dit, bientôt l'heure de la prière, le temps de finir les doigts, ça sera une autre fois, Inch'Allah. D'accord, merci okay. beaucoup. Excusez-moi. Donc merci beaucoup, madame. Et moi, je vous remercie et que Allah bénisse toutes les familles guinéennes merci. Et que Allah nous protège des méchantes personnes qui voulaient détruire notre communauté. Merci, merci, Inch'Allah. Amina. D'accord, voilà, donc on va faire rapidement les lois, oui, quitter. Le monsieur qui écrit en gros et grand que Seloudel Ndiallo ne sera jamais président en Guinée, ce n'est pas ma priorité qu'il soit président. Un, de deux, c'est comme Alpha Condé, c'était 2026, c'est ce qui était prévu, c'était Alpha Condé de mourir au pouvoir, mais cela n'a pas été fait. Voilà. Donc, c'est Seloudel Ndiallo au pouvoir ou demain, même vous qui écrivez là, vous pouvez être au pouvoir. Donc, si sa propre fabrication est au pouvoir aujourd'hui, franchement, moi je pense que pour que Seloudel Ndiallo vienne au pouvoir, moi le seul côté que moi je déplore chez l'UFDG, c'est ce que je vous... C'est ce qui complique la situation. Mais je vous entends, je vous dis, je vous dis, je vous dis, c'est-à-dire que vous ne vous fatiguez même pas. Il faut, on va venir sur ça, retoucher tous vos communicants là. Les sympathisants, il y a des gens qui leur disent catégoriquement, on ne veut plus que vous parlez de l'UFDG. Parce que ce sont des gens qui ne vont rien apporter. C'est des combats, ce ne sont même pas des combats, c'est des trucs vides. C'est des trucs vides, ce n'est pas... Quand vous voyez tous les RPGistes qui parlent là, je vais prendre l'exemple sur eux. Si on vous dit combien se battent vraiment spirituellement parmi ceux-là, vous n'allez même pas croire. Quand on vous dit l'ancien Alpha et son groupe et le groupe actuel, quand on vous dit les gens que eux ils suivent sur Facebook et qu'ils écoutent, vous allez dire madame c'est faux. Wallahi, vous allez dire que c'est faux. C'est pas les gens suivis qu'ils écoutent, qu'ils suivent. Hein? Non. Il y a des dénonciations par exemple, ça parce qu'ils veulent pas être salis, ils suivent ça. Mais les conseils non, eux-mêmes regardent la catégorie et l'espèce. Il n'y a que Alpha Condé, c'est-à-dire le gars là, c'est une saleté. C'est une saleté. Regardez, je vous dis que sa communication l'a détruite. Regardez celui qui dit hier là-bas, Alpha Condé. À qui même vous donnez le micro? Et regardez les gens autour. Si ce n'est pas la casquette qui est renversée, les pantalons là sont serrés. Je vous ai toujours dit, PD Goyama. Mais avec une WM, on m'a compris. Les soutiens là, c'est des liens. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils soutiennent la personne. Ils ne le savent même pas. Ils ne le savent même pas pourquoi ils le soutiennent. Donc voilà. Moi, je pense que le côté spirituel, il faut le renforcer. Le pouvoir, ils le tiennent en sorcellerie. Ce n'est pas autrement. C'est dans ce sens qu'ils le tiennent. Rien ne combat la sorcellerie. Ce n'est pas les talismans. Ce n'est pas les. Je ne sais pas quoi là. Comment on appelle ça? Fatia, cette fois, Fatia, laissez tomber ça. Tu lis déjà, tu fais la Fatia. Pourquoi tu vas encore? Il y a des noms. Même il y a Hakim, le juge. Tu fais ça 10 000 fois par nuit. Si c'est quelqu'un qui t'a fait quelque chose, il va sentir. Mais jouer sur ce côté-là, ça me fait énormément mal. Parce que quand je vois un voyou, un minable, un vaurien, un délinquant, un voyou, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vaut rien comme Alpha. Amouna Kiyo qui se sémara. Il tue les gens 10 ans. Rien ne sort. Mes frères et sœurs, asseyez-vous. Vous avez raté quelque chose. Ce que vous avez raté là, repartez là-bas. Que chacun de nous reparte là-bas. Parce que ce n'est pas normal. Donc, M. Mamadi Doumbouya et son équipe, ils sont à soutenir juste à preuve du contraire. Juste à preuve du contraire. Si lui aussi, il se dit que, en Guinée, il n'y a pas d'homme. C'est moi celui qui a arrêté Alpha Condé. Nous aussi, on va voir comment on va faire. Ça aussi, il y aura une autre solution. Mais on
on peut pas combattre quelqu'un qui n'est pas en train de nous combattre. Pour l'instant, il est sur la bonne voie. C'est ce qu'il peut faire. S'il y a quelqu'un qui pouvait mieux faire, il n'a qu'à venir le faire. Maintenant, les sorciers qui ont attrapé le pouvoir que le peuple ne sera jamais au pouvoir en Guinée, c'est parce que le peuple ne connaît pas sa valeur. C'est parce que le peuple est en train de jouer avec l'islam. C'est comme quand quelqu'un te dit que tu ne vas jamais te marier. Et ça se passe. C'est parce que tu n'es pas avec Allah. Toutes les personnes qu'on vous dit face à face là, toi tu ne te marieras jamais. Et tu arrives des années, tu vieillis sans te marier. Ma soeur, tu n'es pas avec Allah. Mon frère, tu n'es pas sincère avec Allah. Quand tu seras sincère avec lui, tu vas te marier. Pardon, la personne là va assister à ton mariage. Il va prendre ton bébé. Il va se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ma sorcellerie n'a pas marché? Tu n'as pas besoin d'aller voir un waliou pour ça. Tu n'as pas besoin de voir un marabout pour ça. Quelqu'un n'a pas besoin de prier pour toi. C'est Allah qui a créé celui qui prie. C'est lui qui t'a créé toi aussi. Il est omniscient, audient, patient pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est la grandeur de nos âmes. Il y a des âmes beaucoup plus grandes. Certes, c'est vrai. Il y a des gens qui me préfèrent, comme moi, mashallah, ils me préfèrent par rapport à certaines personnes. Qu'est-ce que je fais? Je le sers comme je peux, comme je fais. C'est ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas faire autrement. Mais c'est l'avenir qui va me départager entre les Guinéens et moi. C'est Allah qui va juger. Parce que moi, je dis, je laisse dans ses mains à lui. Qu'il me juge au fond de moi, ce que j'ai au fond de moi, dans mon âme, dans mon fort intérieur, qu'il juge cela. Et toutes les personnes qui pensent autre chose, pas dans le bon sens, qu'il vous juge vous aussi. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit des dons ou des connaissances que vous utilisez dans vos filies là, c'est Allah qui vous a créé. C'est lui qui a créé la Guinée. C'est lui qui a créé toute l'humanité. Si vous faites semblant d'être avec lui, qu'il montre la vérité. Mais lui, sa vérité, je vous ai dit, c'est très long. Il faut être patient et endurant. Si vous priez pour avoir un bon chef, ce n'est pas ça. Il faut appliquer le style que lui, il aime. Vous connaissez le style qu'il veut. Si tu es là avec ton Coran, ta musique est derrière là-bas, qui parle d'histoire de fesses, excusez-moi du terme, tu vends les mèches, tu vends les produits éclaircissants, Allah va t'aider. Mon frère, ça m'étonnerait qu'il t'aide. Tu vends un truc, ça c'est 10 000 francs. Tu dis que c'est 200 000. Tandis que tu cherches 10 000. Tu discutes avec la personne 1 heure, 45 minutes. Finalement, tu vends à 30 000. C'est de la triche, c'est du haram. Allah ne t'aidera pas. Je suis désolée, vos imams ne vont pas vous dire ça. Parce que c'est des pervers. C'est ce qu'ils sont. Donc je vous dis merci beaucoup. À bientôt. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide ceux qui vont dans son sens à lui. Oui, ceux qui ne vont pas dans son sens à lui, qu'il essaye, qu'il les sauve. S'ils veulent, s'ils ne veulent pas, qu'il donne aux gens qui sont sur la route le déçu aux iblistiques. Qu'il donne la force aux gens qui sont avec lui. Qu'il donne la victoire aux gens qui sont avec lui. Parce que c'est lui qui sait qui est avec lui. Lui seul. C'est le seul qui sait cela. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Peut-être demain ou après-demain. Mon programme a été un peu mélangé. Laissez-moi aussi prier. Mon programme a été un peu mélangé avec le frère Essène Ibro. Ce qu'il voulait, c'était important. Donc, je l'ai laissé aujourd'hui. Et puis, nous autres, on se retrouvera une autre fois, Inch'Allah. Merci, merci, merci à tout le monde. Partagez les vidéos, commentez-les. Tenez en compte. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Les doigts, la sincérité. La démocratie, c'est un faux truc. Je vous dis la vérité, on est obligé de passer par là. Donc, on fait avec. Mais tu peux gagner dans les urnes. Mais qui compte? Ça peut être les machines. Ça, c'est une autre connaissance. Ça aussi, c'est un autre savoir. L'ordinateur, le téléphone, ça, ce sont des savoirs. Quand vos gens disent qu'ils ont mémorisé le Coran, ils doivent pouvoir vous expliquer cela. Comment le téléphone, ça se passe là? Les armes, ils doivent vous expliquer tout ça. Mais là, vous priez, vous sortez de la mosquée, c'est fini. Ou bien, vos imams, c'est affaire de quatre femmes. Ce grand homme, le plus grand homme de toute l'humanité, notre prophète, paix et salut sur lui. Ils ont réduit ce monsieur-là à affaire de femmes. Quatre femmes. L'islam a dit quatre femmes.
C'est ça seulement qu'il y a dans les bouches de vos imams. Eux, leur islam, là, c'est quatre femmes. C'est tout. Le reste, là, prier. Bon, voilà. Leur prière, là aussi, est bancale. Donc, à bientôt. Celle-là est le roïra. Mon mère, c'est là. Celle-là est le roïra. Celle-là entend ta place. Oui, il y a une urne. Parce que là, nous avons utilisé le fait de bloquer. Mais nous avons dit que nous avons fait la même chose. Et moi, je suis là. Nous avons fait la même chose. Nous avons toutes les nuits. Faut na boguru. Dans tous les sens. Alors, nous avons utilisé le fait de bloquer. Parce que nous avons une constitution votée. Nous avons une constitution défendue. Nous avons une constitution défendue. Non. Nous avons une vidéo qui contraint. Il s'est mon fils m'a dit. Il n'a pas mis ma lidi. Alors, mon tour m'a dit, mon bouillon m'a dit, mon âme 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 Ike lukwera, ima ka idoko. Ifan sali. Ifan gurudina ka mkolo. Ifan nafala. Ewanye fila na fwe. Aywanye nunya ni gana na matoma. Sora fili. Ntan nana mkolo. Meri mini matere masi. Ntane dare. Ika futu mani. So mane prop. Dungu ira. Anu nkenema. Ala ya gori. Paske ala wama non gina ngoma. Ani ira fang. Ifa ara fang. Itan ala itan nafa. Itan sentane fira bafi. Ika fa. Ika futu ntan mamaron di ruma. Il a mes troisième mandat constitution dans le parlement. Mais la constitution n'a dit comment on rebattu. Wam tendance ma fini. Na gambire sa meu unito alpha konde ga yere di wabini efasi. On a comprendre au photo battu.